Salut la Navy, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo haul. Ça a été un peu la folie hier, on est parti faire du shopping avec mes copines et du coup j'ai acheté plein de trucs, j'ai complètement craqué, surtout chez MAC, chez Sephora et du coup bah, je voulais partager ça avec vous. Même Kardashian Beauty, c'est pour vous dire à quel point j'ai fait du shopping hier. Donc je voulais vous présenter un petit peu tous ces nouveaux produits que j'ai hâte aussi de tester. N'hésitez surtout pas à me dire après si vous voulez que je vous fasse une revue plus en détail, je vous ferai certainement ça parce que j'ai trop envie de les tester, trop envie de vous dire ce que j'en pense. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après ça. Commencer par les vêtements, donc j'ai acheté ce petit jean de chez Zara, en fait un jean slim noir classique. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que là au niveau des genoux vous avez justement ce côté fendant, ce côté craqué qu'on retrouve beaucoup. C'était très à la mode ce genre de jean quand j'étais en Angleterre et à chaque fois je voulais en acheter un mais j'en avais jamais trouvé vraiment un qui me plaisait vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé celui-ci donc à Zara, il m'a coûté 19,95€. J'aime beaucoup les jeans de chez Zara parce que je trouve que c'est une bonne qualité, même si c'est pas forcément du vrai jean, ça reste quand même une bonne qualité. En général je les garde vraiment longtemps mes jeans chez Zara. Toujours côté mode, chez H&M j'ai craqué pour ces petits crop tops, donc ils sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup celui-ci en gris que j'ai mis aujourd'hui. J'ai également pris le noir donc, et j'ai pris aussi le blanc, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, je les trouve vraiment super sympa. Ça reste des basiques mais on peut vraiment les porter avec tout, les alimenter avec des bijoux, avec une belle jupe, c'est super, amazing. À Primark, j'ai opté pour ces petites sandales, donc je les aime beaucoup, elles sont très tendances aussi. C'était pas vraiment voulu, j'avais pas vraiment prévu d'acheter ces sandales-là, mais j'avais tellement mal aux pieds avec mes talons. Je vous explique que je suis partie faire une journée shopping avec des talons. Comprendra qui pourra, je pensais pas que ça allait durer longtemps, qu'on allait marcher aussi longtemps. Et j'ai dit non, il faut que je trouve des chaussures à Primark, des petites sandales, des trucs, parce que là je pouvais plus, mes pieds étaient complètement en feu. Et donc j'ai opté pour ces petites sandales chez Primark à 4€ seulement. J'ai aussi pris cette petite pochette, donc pochette noire avec imitation, un peu serpent devant. Et sur le côté vous avez cette petite barre métallique dorée, donc les sacs de ces Primark sont très beaux. La qualité moyenne, mais en tout cas le design est vraiment très beau et elle était seulement à 8€. Je l'avais aussi également en bordeaux et en vert. Moi je suis restée sur la classique noire. Chez Primark j'ai aussi trouvé plein de petits accessoires à 1,50€. Je me suis dit que j'allais en profiter. J'ai par exemple acheté ce kit de coloration pour les cheveux. À l'intérieur vous avez le petit bol pour mettre votre coloration, vous avez les petits pinceaux pour appliquer votre coloration, un petit peigne, un petit verre doseur. J'ai aussi pris des petits sets de bouteilles de voyage, donc évidemment moi j'aime trop le rose, donc forcément j'ai pris avec le petit packaging rose. Et également à 1,50€ des petites chaussettes pédicure, donc vous savez les chaussettes qu'on met après avoir bien mis sa vaseline ou sa crème pour bien hydrater les pieds. Je vais bien les utiliser celles-ci, comme je vous disais dans la précédente vidéo, mes pieds c'est la catastrophe et il faut à chaque fois que je m'en occupe, donc je suis contente d'avoir trouvé un accessoire de plus pour m'occuper de mes petits pieds. J'ai pris aussi ce petit nettoyant démaquillant, disque démaquillant, ils appellent ça pour le visage. Donc c'est une petite brosse. En fait une petite brosse qu'on prend comme ça et c'est pour nettoyer et exfolier le visage. J'ai trouvé ça très mignon, surtout en rose comme ça, je trouve ça super chou. Et je pense que ça exfolie assez bien et à la fois c'est très doux. Donc j'ai hâte de le tester. J'ai aussi pris à 1,50€ les petites éponges pour fond de teint. J'aime pas rincer mon visage avec mes mains. Du coup j'ai acheté des petites éponges en cellulose. Donc 1€ et elles ont l'air super bien aussi, juste pour rincer le visage, très utile, j'aime beaucoup. Pour la beauté tout d'abord j'ai commencé par Marionneau. C'est la première fois que je rentrais chez Marionneau. Je savais que Kim Kardashian y était allée donc je me suis dit bon on va jeter un coup d'œil et je vais voir si la Kardashian Collection est toujours là. Je regarde un petit peu les produits pour voir ce que ça donne et je suis tombée sur celui-ci, Kardashian Beauty Twirl Me, donc Curl Definition Cream Gel, donc gel crème perfecteur de boucle avec with black seed oil. Je sais pas vraiment ce que c'est black seed oil. Donc c'est une crème de coiffage légère qui contrôle les frisottiers, aide à dompter, façonner et définir les boucles et ondulations pour une coiffure parfaitement contrôlée. Je l'ai essayé déjà aujourd'hui et je le trouve vraiment pas mal. Il sent déjà très bon. Les boucles sont peut-être moins un peu définies qu'avec le gel, mais vous avez pas ce côté cartonné en général que moi j'ai avec mon gel. Et pour coiffer simplement, j'aime beaucoup. La texture est très onctueuse, très douce. Cette crème là, elle est juste à 15€.
euros et vous avez la petite huile qui est à 3 euros. C'est vraiment des prix abordables. Donc j'étais vraiment très contente et très surprise à la fois parce que ça ressemble pas du tout au Kardashian. À la pharmacie, j'ai décidé de tester le pigment clair sérum de chez La Roche-Posay. C'est un sérum anti-tâche, hydrateur intensif, tâche installée, teint terne et irrégulier, efficacité prolongée. Donc ça fait un moment que je vois ce petit sérum sur YouTube. Il y a plein de youtubeuses noires qui l'utilisent et qui le trouvent vraiment super. Et même ma soeur m'a dit qu'elle l'avait utilisé avec l'échantillon et qu'elle l'avait trouvé vraiment bien. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Alors il coûte un peu cher, il coûte 33 euros pour 30 ml. Donc je sais que c'est quand même un coût. La bouteille est vraiment super mini, je pensais qu'il y en avait quand même un peu plus. On sent que c'est vraiment un produit de qualité et j'ai hâte de continuer à le tester. Je vous ferai une revue, bien évidemment, une revue skincare comme d'habitude. Ensuite, chez Sephora. Donc Sephora Champs-Élysées, c'est vraiment un Sephora magnifique. C'était la première fois que j'y allais et je trouve que ce Sephora est magnifique. Il est immense, mais il est grand, mais il est géant ce Sephora et vous avez vraiment tout. Vous avez même un Mac dans le Sephora, donc c'est la première fois que je voyais ça. Vous avez vraiment beaucoup de choses que vous n'avez pas du tout dans les autres magasins. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Oh, j'ai un petit peu craqué, j'ai fait des achats que j'étais pas vraiment censée faire, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour la bonne cause du maquillage. Ça m'a appelé, les produits m'ont appelé, ils m'ont dit prends-moi s'il te plaît, j'ai pas pu résister. Donc j'ai craqué pour la Chocolate Bar de chez Too Faced, la semi-sweet. Là je l'ai même pas encore ouverte, mais voilà, je voulais vous la présenter. Donc vous avez pas mal de couleurs, des caramels, des couleurs de transition, vous avez des jolis marrons, le bleu aussi est super joli. Donc j'ai très hâte de tester cette palette, de vous faire des tutoriels, de vous faire un swatch, je vais vous la présenter, j'ai vraiment hâte. Donc restez connectés sur ma chaîne, sur mon blog Diane M. Kennedy pour vraiment tout savoir de cette palette de chez Too Faced. Toujours chez Sephora, j'ai opté pour ce petit blush de chez MAC qui est magnifique. C'est genre un prune foncé. Donc vous pouvez vraiment faire le côté blush, le côté contouring, creuser sur les peaux. Non, il ressort vraiment bien. Et moi, je suis fan des blushs de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Sketch Matte. J'ai aussi craqué pour le Albatros, le enlumineur de chez NARS qui est... À chaque fois, je le voyais dans les vidéos YouTube, à chaque fois, je le voyais dans les tutoriels YouTube et il est magnifique cet enlumineur. Là, j'en ai mis un petit peu. Vous pouvez voir que j'en ai mis un petit peu, mais je suis allée très légèrement parce que j'avais peur d'en faire trop. Vraiment hâte de faire des make-up avec. Ça aussi, c'est vraiment de la bonne qualité. Je pense que c'est longue tenue. Donc voilà, j'ai enfin mon Albatros, mon petit chouchou de chez NARS. J'ai aussi droit à chez Sephora, mon petit cadeau d'anniversaire. Donc pour toutes celles qui ont la carte Sephora et qui sont inscrites et tout ça, vous savez que chaque année, vous avez droit à un petit cadeau d'anniversaire. Là, c'est une petite palette en fait de fard à paupières qui m'a l'air super sympa aussi. Très nude, très neutre, mais j'ai hâte de la tester. C'est vraiment des jolies couleurs, donc j'aime beaucoup. Merci beaucoup à Sephora pour ce petit cadeau sur la boutique MAC même des Champs-Élysées. Donc la boutique est magnifique, j'ai jamais vu un MAC comme ça, aussi grand et aussi beau. C'est la première fois que j'y allais aussi, donc la boutique est super, elle est immense, vous avez plein de choix. Les vendeurs sont très sympas. N'hésitez surtout pas à y aller au MAC des Champs-Élysées, ça vaut vraiment le détour. J'ai pris le crayon à lèvres Chestnut, ça va être un marron en plus foncé, donc j'aime beaucoup pour faire le contour des lèvres. Et j'ai eu plein de tutos avec et il était vraiment super sympa pour les peaux noires, pour faire des nudes, pour faire plein de choses. Je vous montre. En parlant du rouge à lèvres que j'ai mis, c'est celui-ci, donc le Matte Royal, donc rouge à lèvres mat, un peu dans les tons bleus, violet foncé, et je suis tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Il nous l'a montré, j'ai dit je le prends, j'étais comme hystérique dans le magasin. C'est un bleu avec des sous-tons violets. Il capte bien la lumière. Il est original mais il reste quand même dans des tons foncés. Donc je suis fan des tons foncés en ce moment. J'ai aussi pris le Stone. Donc pareil, un rouge à lèvres mat qui tient un peu plus sur les marrons nude avec des sous-tons un petit peu gris. Donc pareil, à mettre avec le Chestnut si vous voulez créer un joli nude. J'aime aussi énormément les rouges à lèvres mat parce que je trouve que vous avez une bonne pigmentation, une bonne tenue. C'est assez cher, c'est un budget, mais au final on a la qualité et c'est ça que j'aime chez cette marque. Après, ce que j'ai testé chez MAC, c'est vraiment leur collection éphémère, leur collection qui dure un jour. Ça sort, le truc est fini, on peut jamais acheter. Alors moi, ça m'a...
ça m'a un peu fâchée avec Mac pendant un moment, mais bon, on oublie, on pardonne. J'ai eu un chouchou, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu mon rouge à lèvres de cette année, donc voilà, je leur pardonne. C'est tout pour mon shopping, la Navy. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à aller acheter, à dépenser plus d'argent. Non, je plaisante. Achetez vraiment selon votre budget et faites-vous des budgets makers, comme ça vous évite de dépenser par mois des 1000 et des 100. En tout cas, voilà, moi je me suis fait plaisir. C'est pas tous les jours et pas tous les mois que je dépense autant d'argent, surtout dans le make-up et autres. Mais bon, le make-up, c'est ma passion et voilà, j'ai plein de produits que j'ai envie aussi d'essayer. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en barre d'infos pour me laisser vos vidéos haul et me dire quels sont vous les produits que vous avez déjà testés parmi ceux que j'ai achetés et vos avis. N'hésitez surtout pas à cliquer, alors c'est soit ici, soit là, je sais plus, avec le petit bouton subscribe et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est 100% gratuit, ça me permet moi de faire encore plus de vidéos et merci pour toutes celles qui se sont abonnées ces derniers temps, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment à faire des vidéos, donc continuez comme ça, mettez des commentaires en barre d'infos, partagez votre chaîne, comme ça j'irai voir, je pourrai m'abonner, c'est vraiment avec plaisir. Vous avez également toutes mes vidéos et des articles, par exemple là sur mon anniversaire, mon dernier article c'est sur dianemkennedy.com, je poste un article tous les jeudis, vous avez tous les petits liens au-dessus, donc vous avez juste à cliquer et ça va vous rediriger directement. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous. Bye bye.